Bonjour, bonjour. Alors, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais de temps en temps vous faire des retours de course. Et donc, aujourd'hui, j'ai un retour de course de Leclerc et de Grand Frais en même temps. Donc, je vais commencer par Leclerc. J'ai acheté 6 litres de lait, mais ils sont à la cave. J'ai pas pensé à les remonter. J'ai acheté du pur jus d'orange pour le petit-déj le matin. C'est génial. J'ai pris du lait entier pour faire des yaourts. J'ai pris un paquet de nouilles. Alors, j'aime beaucoup cette marque, même si c'est une marque repère. Elle est sympa. J'ai pris deux paquets de lardons. Alors, je vais en garder un et je vais en congeler un. J'ai pris du pâté périgourdin. Alors, je l'ai partagé avec ma mère parce que elle est toute seule. Et que moi, je voulais pas tout manger toute seule. Donc, il se présente comme ça. Donc, c'est du pâté. Et vous avez des petits morceaux de mousse de foie. C'est génial. J'ai acheté du morbier. Alors, il était en promotion à 13,90 €. J'en ai profité. J'ai pris du gruyère râpé. J'ai pris du fond de volaille. C'est sympa quand vous voulez faire une sauce. Un pot de crème fraîche pour vous faire voir dans les prochains jours comment on fait du beurre au Compact Cook Elite ou au robot. Hein. Je vous expliquerai les deux. Du beurre pour la cuisine. Du beurre pour les tartines. J'ai pris 1 kg de sel parce que quand on cuisine, c'est bienvenu. Acheter des salières, ça revient cher à la fin. Donc moi, j'achète du sel comme ça, je le mets dans un tupperware et ça dure le temps que ça dure. J'ai pris du mascarpone, je trouverai une utilité. J'ai pris du fromage comté. J'ai pris de la Kezak, puisque avec le temps qu'il fait, on a besoin de boire beaucoup. Et avec les bons que j'ai reçus, j'ai pris des yaourts lait de vache au citron. Alors au jus de citron, ils sont hyper bons, je les connais bien. Donc, j'avais rangé ces courses. Maintenant, je vais vous montrer mes achats Grand Frais. Donc, j'ai acheté un melon. Alors, j'en ai donné encore pareil la moitié à ma maman. Donc, vous voyez, c'est la marque Filbon. Donc, c'est quand même un très bon produit. On l'a déjà goûté un petit peu en le coupant. On a goûté. Il est excellent. Et en plus, il n'était pas très cher parce qu'il est à même pas 2 € le melon. Donc, c'est pas excessif. J'ai pris des bananes. Alors, si j'aime pas les bananes cuites, j'adore les bananes crues. Donc, j'ai pris des bananes. Bon, elles sont un peu chères, mais c'est pas trop la saison. Alors, je sais bien, hein, c'est pas beau parce que normalement, il faut respecter les temps, les saisons, etc. Et ben là, j'ai pas pu. J'ai acheté des abricots. Pareil, j'adore les abricots. Donc, je les ai payés 3,99 € le kilo. Mais c'est normal hein, parce qu'en ce moment, on n'a pas de fruits. Donc, il faut bien que les gens qui produisent des fruits gagnent leur vie. Et au moins, je suis sûre que j'ai des fruits qui viennent de France. Donc, pareil, j'ai pris des brugnons. Alors, ce sont des brugnons blancs. Je les ai payés 2,99 € le kilo. Et après, pareil, j'ai pris un concombre que j'ai coupé en deux et que j'ai payé 68 centimes le concombre. Et enfin, j'ai trouvé du jus de yuzu. Donc, idéal pour faire mes préparations au yuzu. J'en cherchais partout et j'en ai trouvé à Grand Frais. Donc, si vous en cherchez par rapport à certaines recettes que je mets ou quelque chose comme ça, vous en trouverez à Grand Frais. Alors, j'ai pas acheté grand-chose en légumes parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans le jardin. D'ailleurs, la preuve, ce matin, je me suis occupée des tomates. J'ai les doigts qui sont un peu tomates. Mais bon, c'est tellement meilleur les légumes du jardin. Donc là, demain, je fais des petits pois du jardin avec des carottes du jardin. Après-demain, ce sera des haricots verts. Donc, vous voyez, je n'achète pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes en ce moment. Par contre, des fruits, j'en fais une surconsommation. Et tous mes fruitiers ont souffert, donc je suis obligée d'en acheter. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.